vient tout juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Donc là, cette chambre, c'est moi qui me la suis payée. Je vais vous faire un petit rond tour, mais c'est pas un hôtel de folie. J'ai choisi un hôtel pas trop cher pour économiser du budget sur l'hôtel. Je suis arrivée ce matin, donc là j'ai rejoint. Je suis d'abord allée à l'hôtel pour déposer ma valise. Ensuite, j'ai rejoint une amie, comme vous avez vu dans les clips avant, Alexandra. On a bu un café, on a fait des petites photos. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc on avait plein de choses à se raconter, c'était trop cool. Et là, ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous avoue que là, cette journée, entre l'avion, j'ai pas bien dormi la nuit passée et tout, j'ai envie de me reposer. Genre là, j'ai l'impression qu'il est déjà 20h, j'ai les yeux explosés. Donc ce soir, je sais pas ce que je vais faire encore, si je sors boire un verre avec des amis ou si je reste à chiller dans la chambre. Mais pour le moment, ça serait plus le plan de chiller dans la chambre. Donc je vais vous montrer la chambre. Voilà, elle est assez simple. Mais après, ça va hein, pour le prix. Et en fait, ce qui est bien, c'est surtout la vue sur les bâtiments parisiens. Donc voilà. Heureux, je viens de me changer. Enfin, j'ai pris une petite douche. Et du coup, pour le moment, je opte pour soirée tranquille. J'ai même pas envoyé de message à mes potes pour leur dire, vous faites quoi ce soir? Venez, on sort. Franchement, je suis éclatée. Donc, je pense que je vais me reposer pour être en forme pour demain. Parce que demain, j'ai le dîner de Noël de mon agence. Et il y a des bruits bizarres. Et du coup, je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça va être. Mais je préfère être en pleine forme pour cette soirée. Et là, je me suis mis en legging. J'attends ma livraison Uber Eats, je me suis commandé un Joe & Juice parce qu'on n'a pas à Toulouse et que sinon c'était des burgers, des trucs qui me donnaient pas envie. Je voulais vous montrer ça. Bon, je suis désolée pour la luminosité, c'est un cadeau. Demain, je vous montrerai, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais du coup, mon agence est en collaboration. Faut que je retrouve avec quelle association, mais qui pour des enfants, et du coup, on leur offre, nous, toutes les influenceuses, des petits cadeaux. Donc là, je leur ai préparé des livres. Et donc demain, je pense pas qu'on verra les enfants, mais on déposera les cadeaux pour que les cadeaux soient ensuite donnés aux enfants. Donc l'initiative est super cool. Et du coup, je vous montre tout ça demain, mais là, j'attends mon Joe & Juice. Donc dès que ça arrive, je vous montre ça avant de le manger. J'espère que vous allez bien. Bon, il n'y a pas de grand miroir, je voulais vous montrer mon look. Mais ici, il n'y a pas du tout de grand miroir dans cette chambre. Donc, je peux pas vous montrer plus que ça le look. J'espère que dans la chambre que j'aurai après là cet après-midi, ça sera mieux. Là, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est la vie, hein. Il pleut. Alors, je sais pas si vous voyez, mais du coup, impossible de faire des photos dans la chambre. Là, j'ai mis la lumière, mais si je mets pas la lumière, du coup, c'est hyper noir. Et j'avais une collaboration pour. Enfin, je vais faire des photos pour une collab rémunérée en plus sur Insta. Et j'avais payé cette chambre exprès pour avoir cette vue pour faire ces photos. Et comme c'est pour des collants, donc j'étais en collant sur la terrasse toute seule avec mon trépied, j'ai pas pris ma télécommande. Donc, c'est photo par photo. Une horreur, impossible de faire des photos. Et le seul moyen d'avoir des photos passables, c'est de faire de dos. Donc finalement, j'ai changé, j'ai fait un autre look, pareil, j'arrivais pas, j'étais trempe, genre j'avais les cheveux hyper mouillés, c'est pour ça que là, ils font des ondulations, je sais pas ce qu'ils font. Donc j'ai pas réussi à faire comme je voulais, mais bon, j'ai fait quelques trucs, on verra. Sur le lit, j'ai essayé de faire quelques photos, c'est hyper sombre. La marque, je sais qu'ils aiment pas quand c'est sombre.
Mais bon, j'en ai fait quelques-unes. Cet après-midi, je prie pour que la chambre soit un peu plus lumineuse et que je puisse essayer d'en faire d'autres. Je découvre la chambre avec l'influenceuse que je ne connais pas encore, du coup, cet après-midi. Du coup, là, je vais check-out et je vais aller directement à l'autre hôtel. Mais la chambre n'est pas prête, donc en gros, je vais juste laisser mes valises. C'est sur les Champs-Élysées et comme j'ai trop envie d'aller voir et comme il pleut, moi, je voulais aller me balader à Monceau ce matin, au parc Monceau, mais avec ce temps, impossible. Et même mes looks, je peux même pas faire les looks que j'avais prévus. Je voulais mettre mes Uggs pour être à l'aise. Parce que ça, les chaussures que j'ai, c'est les chaussures que je mettrai ce soir. Et je voulais garder pour ce soir. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais aller faire les boutiques. Je voulais trop voir la boutique Dior, où je crois qu'il y a une mini expo de pièces iconiques de la marque. Et il y a un café, donc je verrai. Et j'ai trop envie d'aller voir une exposition. Je vais voir si j'ai le temps. Au Palais Galliera, je crois. C'est une exposition à la gare, il me semble. Donc, je vais voir ça. Je sais pas si à pied je pourrais le faire. Je sais pas si je vais changer de chaussure. Donc, je vous dirai tout ça après. On voit toujours là une marque. Mon chat m'a planté sa griffe dans ma lèvre. Heureusement, elle m'a pas arraché la lèvre. Mais du coup, c'est. Enfin, c'est hyper. On voit pas, mais moi, je le remarque que c'est un peu noir, c'est un peu bizarre. Donc, voilà les news. Donc je viens de check-in dans le nouvel hôtel, je suis contente parce que du coup la chambre était prête, donc je vais faire tout mon contenu maintenant. Après je vais voir si j'ai le temps d'aller visiter, aller voir l'expo dont je vous ai parlé qui est juste à 8 minutes de l'hôtel. Donc ça c'est trop cool et je vous fais un petit room tour. La chambre est toute bien parce qu'on va être deux à la partager, donc ça va être galère après. Donc je vous fais le petit room tour maintenant. Elle est vraiment grande, j'ai pas encore vu la salle de bain. Mais la salle de bain est cool, il y a une baignoire. Ah, il y a les produits luxe. J'adore cette marque. C'est trop trop cute. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a deux miroirs. Comme on est deux nanas pour se maquiller pour ce soir. Enfin, elle va faire venir une maquilleuse, mais moi je me maquille. Mais si jamais après on doit faire nos trucs en même temps, il y a deux miroirs. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, voici la chambre. Donc elle est quand même hyper grande. Donc voilà. Ah, j'adore l'été d'Aman, tout ça. Et ici nous avons la vue sur Paris et son mauvais temps. Donc je vais essayer de terminer le contenu que j'avais à faire. Et je vous retrouve après pour voir ce que je fais. Hello.
Je suis désolée d'avance pour ma voix. J'ai plus de voix. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc là, je suis toujours à l'hôtel Château de Frontenac. Attendez, je regarde si c'est bien. Oui, Château de Frontenac. Je viens de manger mon petit déjeuner. Et là, il pleut pas ce matin, comme vous pouvez voir. Donc, je vais essayer de faire mes photos pour ma collaboration sur la terrasse. J'ai mon trépied, donc je vais essayer de faire ça. Et s'il pleut pas, je vais peut-être aller faire des photos avec une amie. Et ensuite, normalement, j'ai un brunch avec une fille que je connais d'Instagram. Donc, ça serait trop cool qu'on se fasse ça. Et ensuite, j'enchaîne avec, je sais plus si je vous l'ai dit, une activité, le puppy yoga. Donc faire du yoga avec des chiots. Donc il faut que je prenne dans mon sac d'ailleurs une tenue de sport parce que là j'ai le check-out à midi. Donc voilà pour le programme. Hier soir j'avais l'événement de mon agence e-idols. C'était vraiment... Alors je vous disais, hier j'avais la soirée de mon agence e-idols. Je pensais qu'à la base c'était un dîner avec les talents de l'agence, mais en fait c'était un énorme, on va dire plus gala caritatif. Donc on a porté chacun des invités un cadeau pour l'association, un cadeau pour la vie, pour des enfants. Donc on a tous, il y avait un énorme sapin et on a tous mis nos cadeaux en dessous. C'était trop trop cute. Et normalement j'ai filmé, mais comme après j'étais dans le mood de la soirée, je pense que j'ai oublié de... J'ai pas encore regardé mes rushs, mais il y avait un énorme buffet avec plein de traiteurs différents. Mon stand préféré, c'était le stand de sushi. Il y avait un stand aussi de mini pancakes. Il y avait un stand de bûches de Noël, de cookies. Oh my god, c'était incroyable. Et il y avait un petit DJ, un photobooth. Donc voilà, c'était trop trop cool. Mais du coup, j'ai pas trop filmé comme j'étais dans l'ambiance. Mais j'espère que vous pourrez voir avec quelques rushs que j'ai fait. Et là, j'ai plus de place sur mon téléphone, donc je vais vous laisser et je vais filmer ma journée aujourd'hui. C'est calé lui. Hello, aujourd'hui nous sommes mardi. Je suis rentrée à Toulouse comme vous pouvez voir. J'ai pas filmé, j'ai galéré à filmer mes derniers moments à Paris parce que tout simplement je n'avais plus de place sur le téléphone. Donc les derniers moments c'est le puppy yoga avec les chiots. C'était vraiment trop trop bien. D'abord on a fait 30 minutes de yoga et ensuite ils ont fait venir les chiots. Donc on a passé 30 minutes à jouer, faire des bisous avec les chiots. Et c'était vraiment, ça détend parce qu'on oublie tout. On est juste là en train de profiter de son moment avec les chiots. Puis le yoga avant a déjà mis dans une ambiance hyper relaxante. Donc c'était trop cool. Et ensuite je suis partie à mon hôtel récupérer ma valise. Et ensuite j'ai passé la nuit chez une amie. Et je suis rentrée hier du coup. Et je voulais terminer cette vidéo parce que je vais commencer une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur... Enfin cette semaine sur plus axée sur ma marque et les dessous de ma marque. Mais là j'avais envie de vous montrer un unboxing parce que comme je suis partie j'ai reçu plein de gifting. Et ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Donc ça c'est une marque que je rêve de tester vraiment depuis longtemps. C'est la marque Kilian. Qui est un parfumeur, un parfumeur de luxe. Et ce que j'aime beaucoup avec Kilian, c'est que vous avez toujours en fait des petits formats que vous pouvez prendre bah, soit directement comme ça à emporter. Du coup c'est génial parce que les gros flacons c'est toujours la galère. Et les petits flacons de voyage sont tout aussi magnifiques. Donc vous voyez, vous avez comme ceci. Et après, ils m'ont offert le Angel Share, qui est vraiment le... Oups. On dirait que c'est un verre de whisky, mais pas du tout. Mais le flacon est vraiment trop trop beau.
L'odeur, je sais pas, ça sent quand vous allez dans un hôtel de luxe. J'arrive pas à décrire du tout l'odeur, j'ai pas encore vu la composition. Mais ça, c'est un très très beau cadeau. Et du coup, vous avez le format voyage avec le parfum en format petit pour voyager. Donc, ça, c'est une idée. Et surtout, si vous connaissez pas cette marque, moi, belle découverte et j'adore. Ensuite, je suis trop contente. J'ai reçu un colis de chez Prada Beauty. Vraiment trop heureuse. Donc, à l'intérieur de mon colis, on a le parfum. Et ça, c'est une super idée de cadeau. Paradoxe de Prada. Je ne l'ai pas encore ouvert. Mais j'ai trop envie de savoir si c'est une odeur que j'aime ou pas. Et ensuite, ils m'ont envoyé un rouge à lèvres. Bon, je vous avoue que la couleur, c'est un peu trop rouge pour moi. Mais celles qui aiment le rouge foncé, la couleur est canon. Mais moi, j'aime les tons nudes. Donc, ça va pas du tout aller. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un pour le donner. Et ensuite, dernier colis, j'ai reçu un colis de chez Darphin avec leur, si j'arrive, leur gamme intral. Intro, intral, je sais pas comment on dit. Donc, vous avez le sérum essentiel, vous avez un mini tonique micellaire et vous avez une crème apaisante. Et en gros, chaque étape, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est le sérum. Et la troisième, la crème hydratante. Donc voilà, et ça fait un joli petit coffret à offrir pour mettre sous le sapin. Donc je vous laisse avec cette vidéo sur Paris et un petit unboxing à la fin. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.